Voici mon histoire. Il y a longtemps, quand j'étais encore une petite fille, j'ai perdu quelque chose d'essentiel. Ma mémoire. Que peut-on faire sans mémoire? Que peut-on faire sans mémoire? Que peut-on raconter? Pourtant, je l'ai retrouvée. Peu à peu. Au hasard d'un tourbillon d'aventures. Et c'est grâce à elle, ma chère mémoire, que je peux vous les dévoiler aujourd'hui. Tout a commencé un soir d'automne. Paris. La pluie. Une petite fille qui pleure au coin d'une rue. Mais qui est cette fille? On dirait qu'elle est perdue. Elle pleure. Il faut faire quelque chose. On peut pas la laisser là. On ne sait pas qui elle est. On ne sait pas d'où elle vient. C'est juste une enfant paumée. Près du canal Saint-Martin. Sur le trottoir mouillé, elle est là depuis des heures et la nuit va tomber. Toutes ces larmes qui glissent sur ses joues rouges de froid. Faut appeler la police, on peut pas la laisser là. Qui es-tu, petit enfant perdu? Si tu sais pas parler, tu connais pas ton nom, n'as-tu pas de papier? Mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Petit enfant perdu. Faut que tu nous répondes, nous on n'a pas le temps. Elle nous attend la ronde des passants. Y'a une petite fille qui pleure sur le trottoir. Ou la peur, elle ne fait que trembler. Et nous pauvres passants, on est un peu dépassés. On se sent impuissant et en plus, on est pressé. Mais qui es-tu, petit enfant perdu? Dis, tu sais pas parler, tu connais pas ton nom, n'as-tu pas de papier? Mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Petit enfant perdu. Faut que tu nous répondes, nous on n'a pas le temps. Et nous attend la ronde des passants. C'est la ronde des passants qui passe et qui repasse en danse désordonnée dans les rues de la cité. C'est la ronde des passants. Il n'y a que la nuit qui peut y mettre fin et la ville dort enfin. C'est la ronde des passants qui passe et se dépasse sans jamais se regarder. Ils ont l'air tellement pressés. C'est la ronde des passants. Il n'y a que la nuit qui peut y mettre fin et les passants rêvent enfin.